Kaila, Compagnie d'Église, bonjour, bonsoir à tout le monde, tous les amis et Compagnie d'Église qui sont toujours là ensemble avec nous dans toute activité et toute présentation que nous avons fait. Jodia, nous trouvons exactement dans la parole Sainte-Thérèse de l'Enfant de Jésus qui est dans le diocèse Okaï, dans la zone pastorale Okaï, qui est dans le dernier fort. Nous allons chita pour nous faire parler ensemble avec le curé paroisse qui est là ensemble avec nous. Et qui va présenter tout à l'heure comme ça. Et nous connaissons, je dis à 7h30, c'est pratiquement la veille, c'est fête. Et Sainte-Thérèse, et bien je dis à nous là, nous saluons tout le monde déjà. Merci parce que vous connectez ensemble avec nous. Bonjour, Père Clodomé. Bonjour, Télo. Bonjour, Kaïcha, qui est dans la manœuvre technique là, qui est dans la caméra. Et pareil, je dis à c'est pratiquement la veille, fête là, nous déjà dans la fête là. Et dans la paroisse Sainte-Thérèse, avant, ou capable de dire non, et combien de temps vous avez dans la paroisse là, depuis vous responsable de vous curer la paroisse là? Environ 2 ans. 2 ans, ça veut dire que vous avez fait 2 fêtes là? 3, parce que d'entrée de jeu, moi j'ai déjà fait une, l'aime de fête arriver, et puis nous passons au 3e dans le là. Ok, 3 et patronal, Père Clodomé. Mais les Jude Benoît Clodomir. C'est comme ça. C'est ça. Jude, Reverend Père, Jude Benoît Clodomir, lui-même qui s'est curé par la Sainte-Thérèse de l'Enfant de Jésus qui n'a dégagé fort. Et en regard des padres, et avant fait là, arrivé là, avant arrivé là, parce que c'était une activité qui était en fait, soit activité spirituelle, tout ça. Peut-être que c'est une activité culturelle, tout, mais peut-être que c'est après fait là, on va connaître, on va dire ça. Et une activité spirituelle, qui ça que nous avons avant fait là? C'est une très belle question parce que, et comme d'habitude, c'est avant fait là pour qu'on ait ces fêtes là belles parce que c'est préparatif qui va permettre de déboucher son bonne organisation. Et grâce à Dieu, nous avons un bel comité avec nous, particulièrement le conseil pastoral paroissial là, qui était bien épaulé nous, sans oublier diverses commissions, divers groupes et chorales. Et comme ça, nous avons programmé ensemble une neuvaine préparatoire à fête Sainte-Thérèse. Neuvaine ça a été commencé du 20 septembre au 28, samedi dernier, il était clôturé. Et à l'occasion de ça, nous avons commencé à parler, réfléchir sur le thème ça pour la vie fleurie dans le pays. Nous, Sainte-Thérèse, c'était nous vivre dans l'Esprit Saint. Nous avons eu un concours en pile bon prédicateur qui était aidé nous réfléchir sur le thème ça. Et nous voulons profiter pour nous capables de remercier tout le monde, fidèle paroisse là, groupe Coralio. Et tout pèlerin qui est venu en l'événement, il était bravé du feu, il était bravé caoutchouc et il était retrouvé avec nous en très grand nombre. Et je dis normalement, tout de suite après l'événement, qui est donc demain, et ailleurs, dimanche 29 septembre, nous avons prévu organiser un concert spirituel. Malheureusement, à cause des situations de tension, de verrouillage PIA, et non pas capable de arriver et exécuter concert là, surtout à cause de problèmes gaz, tout ça. Et donc, nous reportons une date ultérieure, nous avons décidé d'être sous date là parce que, on est jusqu'à maintenant, son pays qui a fonctionné dans l'incertitude et dans l'insécurité, une insécurité malheureusement grandissante. Et nous voulons quand même que les spectateurs vini, il y a plutôt de la caillou pour créer au minimum de confiance, de sérénité, pour que c'est pas dans courir à courir qui était ça là pour retourner la caillou. Et c'est peut-être ça, non, de laisser tomber concert là, mais quand même n'a plus tourné sur projet quand même, parce que donc il y a des groupes, des chorales dans paroisse là qui étaient vraiment météo tout eux même pour que était capable de performer, et nous pensons que c'est à injustice si nous n'avons pas l'occasion, ça n'est pas ça, pour être capable de réaliser et offrir ça, même de mettre dans le diapositive pour que le public là. Et nous avons demandé au public, si tout le monde qui a acheté 4 DJI, pour
prends patience pour nous parce qu'il a vu de ce quand même. Bien, alors ça c'est activité spirituelle, non, activité, alors activité culturelle. Alors dans l'activité spirituelle, dans le événement, par rapport avec situation, par rapport avec contexte que nous vivons dans le pays, là, est-ce que nous-mêmes, éclairés par ça, est-ce que nous ne sommes pas inquiets pour que nous ne pas gagner fidèles, pour que nous ne pas gagner un monde qui vienne participer dans l'événement ensemble avec nous? Je pense que c'est un risque quand même, bon, avant fait là quand même, faut gagner l'événement, 9 jours de prière, mais est-ce que nous ne sommes pas inquiets par rapport avec la situation pays actuelle là? Bon, et il y a même une proposition qui était faite de part et d'autre pour que nous soyons capables de laisser tomber le vêtement pour nous faire ça. Juste un tridium, c'est-à-dire 3 jours de retraite. Mais étant donné que bon, c'est une décision qui n'est pas prise à partir de nous-mêmes, monde, mais que nous prenons dans la prière, et surtout que et ça nous prévoit faire dans le cadre de l'événement, c'était la prière pour Haïti et qui besoin de ça. Et nous avons dit que nous pas de battre le débat, nous n'avons pas de décourager, nous avons des mondes d'espoir, pas seulement d'espoir, d'espérance. Et c'est ça fait que nous avons dit un coup de coude pour nous être capable de faire l'événement. Nous avons même dit quoi, que même pas de grande participation, mais il faut le faire quand même parce que Haïti besoin de la prière et Saint-Yves a la prière pour nous, particulièrement Sainte-Thérèse, et que ce n'est pas seulement les bagailles bon pour nous là. Il y a des pays des fois qui ont guerre et continuent à la prière pour qui ça, pour nous-mêmes, pour nous pas la prière. Il y a des même le fait que il y a des pays côté chrétien seulement dit c'est chrétien seulement, donc en Irak par exemple, ça est capable même de faire la, en courir l'en mort. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'être chrétiens. Non, bonjour, nous faisons là pour mauvais jour. Et c'est là, moi, c'est que mon aspect de témoignage que nous devons faire, peut-être ça, nous avons dit, coûte que coûte, quelle que soit la qualité de la participation, eh bien, nous faisons quand même. Et d'après avis, un pile monde qui a une chance là, et puis qui a une pile appréhension concernant la réalisation de l'événement, j'étais vraiment étonné pour la quantité de monde qui était là. Et ça montre tout que Haïti a besoin de prière et mon yoto a besoin de la prière. Et c'est ça qui fait que j'ai fait de longs parcours gentils pour que j'étais capable là et de remercier nos maîtres bravo pour eux. Bien, et alors demain, quasiment, c'est fête là. Nous la croix vraiment belle, la croix vraiment frais, et nous tout profiter, tout inviter toutes pèlerins venir fêter avec Sainte-Thérèse, venir dans pied, Sainte-Thérèse venir fêter dans des efforts. Et qui a dirigé par le Père Jude Benoît Clodomir. Alors, fête là, c'est pratiquement demain, et c'est à qui le fête là, c'est comment ça aille, est-ce que toute planification qui est en fait, comment ça aille pour messe là, messe patronale là demain? D'habitude, dans la société, les n'a calculé un jour, non pas ouais, parti la veille là, tellement la dedans, mais pour nous-mêmes dans l'église catholique là, la veille là, c'est très important, et même j'ai avec joie même d'ailleurs, tant qu'on est habitué d'y parler ça, qui passe mon slogan, qui est en réalité, et c'est la veille faite aussi, faite là, la belle. Et d'ailleurs, et le jour liturgique, il n'est pas commencé tant qu'on avec minuit, c'est le jour liturgique là, il a commencé la veille dans le soir. Ça, c'est une tradition qu'on prend dans la Bible là et qui est inspirée de culture juive là. Et donc, c'est-à-dire, jeudi à même dans l'après-midi, dans tombé du jour là, et c'est jour liturgique là même qui a commencé. Donc, en ce sens, fête Sainte-Thérèse a commencé et depuis l'après-midi à même. Et particulièrement dans la paroisse là, derrière fort, nous pour aller commencer avec une procession qui normalement doit déraper, nécessairement doit déraper à 5 heures. On a demandé tout auditeur, tous les spectateurs et qui ont regardé la vidéo, comprendre l'église, que nous encourager à cause de. Bel travail pastoral a fait
la mi-temps peuple bon Dieu a n'a demandé tout le monde qui a une chance côté jeudi a et bien vidéo ça pour que garder vidéo ça pour que tu es capable là et à partir de 5 heures donc pour capable commencer donc essayer là depuis 4h30 comme ça pour que 5 heures même pour nous capable commencer de façon à ce que nous capable finir le plus tôt possible et pour que peuple bon Dieu a capable de retourner la caillou avant l'effet noir dans la sérénité, surtout que son messe là lui-même tant qu'on non capable de comprendre ni les très ordonné et depuis que on exécute tout bagage à temps donc les con l'heure les con timing parce que c'est pas question de espace seulement c'est question de temps et liturgia donc notamment que vraiment à soyez nous fini bonheur pour que nous capables à la caille avec une très grande sérénité. Et pour nous poursuivre, demain, c'est pas le jour solennel là même. Le jour solennel là, qui est donc 1er octobre, pour gagner une première messe, ce sera la messe de l'aurore. C'est donc ça, nous sommes capables de la messe d'ouvre-jouan. Et la commencer avant même. Le soleil là, il est levé donc à 6h15, parce que pour question de sécurité, il n'est pas capable de faire plus bonnet davantage, Donc, il a commencé à 6h15 et pour que il est capable de finir bonheur, pour si quelqu'un qui va le travail, il va commencer à bien travailler, ou bien qu'il voulait avoir une occupation capable de retourner bonheur pour aller dans l'activité. Et puis, nécessairement, gros moment Pemba, c'est ça nous est les messes solennelles là même, c'est demain après-midi, donc 1er octobre là, à 5h. À 5h, faut nous commencer et nous demander à tous les téléspectateurs de regarder nous pour que nous capables là, même à 4h30, pour que nous capables et commencer comme ça doit et n'a commencé quand même quel que soit sa gain depuis pour tuer nos possibilités hein, pour que encore pour même raison pour que peuple là quand même retourner la cali bonheur. OK et qu'on y a on a toujours posé cette question ça on a toujours aimé connaître ça et tu as toujours aimé connaître qui est et pour célébrer c'est le mot principal là mais solennel là. Bon, c'est surprise. Et seulement ça, nous sommes capables de garantir, c'est que nous avons mis des prédicateurs, des célébrants, qui sont vraiment disponibles pour ces affaires et pour capable aider au prier, capable aider la prière à monter devant, comme être là par l'intercession. Sainte Thérèse, patronne, paroisse. OK. Et Reverend Père Jude, Benoît Claude Mien, et nous pratiquement arrivé dans la fin interview ça maintenant il y a un message qu'on gagne pour toute pèlerin qui a sorti tout partout vient fêter avec Sainte Thérèse une fêter dans communauté tout le monde tout qui dans communauté qui message qu'on gagne pour eux surtout par rapport avec contexte situation que nous avons vécu dans le pays actuellement là juste avant nous faire allusion à contexte ambiant actuel là et nous voulons demander tout pèlerin, surtout pèlerin qui a déplacé un petit peu loin par rapport à la gestion paroisse là, et pour que nous capables de marcher avec parapluie, parce que nous connaissons que le mois d'octobre sont mois qui très pluvieux, et surtout zone fête Saint-Thérèse là. Et d'ailleurs, nous avons des paroissiens qui ont dit de façon humoristique Saint-Thérèse, quel est son petit monde qui te remet jouer en bas la pluie. C'est parce que faites ça, son fête qui est toujours accompagné de la tombée de pluie. Donc, excusez-moi, la pluie qui a tombé, et soit adverse ou bien de façon très faible, mais la pluie est toujours là. Et nous demandons que pour tout le monde, ça, la pluie avec nous. Et en